Pedro, bonjour. Salut. Bonjour, bonjour. Réalisateur, un film qui fait une jukebox, un film en fait qui va faire courir les salles encore longtemps, assurément. On parle d'un personnage, d'une histoire particulière de M. Pentis. En effet, en fait, la majorité des Québécois connaissent toutes ces chansons. Un, deux, trois. La, 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 la. C'est parti! Mais personne ne connaît son nom. Dennis Pantis, c'est un illustre inconnu. La période dans les années 60 a été très, très prolifique au Québec. Mm-hmm. Ça a été, évidemment, lui, la plupart des hits de cette époque-là, c'est lui qui les a faits. C'est quand même un personnage intéressant parce qu'à une époque où très peu de gens chantaient en français, lui, il a décidé de faire du rock'n'roll, du yéyé en français. On a révolutionné la musique, en fait. C'est un peu, l'apogée de la musique commençait à prendre place au Québec. Les 33 tours, 45 tours, le vinyle est arrivé dans le marché. Définitivement, c'est le roi du 45 tours. Donc, lui, en fait, ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'alors que les Québécois voulait entendre de la musique rock'n'roll en français, bien lui a décidé de faire toutes ces chansons-là qu'on connaît maintenant aujourd'hui. Et il est devenu le roi du 45 tours. On parle de La poupée qui fait non, Les boîtes à gogo, Avant de me dire adieu. Je ne l'avais jamais vu, mais je savais qui c'était. C'était le producteur. Moi, je suis intéressée à vous signer. Ça vous tente-tu? C'est un film qui nous amène à redécouvrir ça, puis surtout avec une histoire méconnue des Québécois. À l'époque, c'était le King. On rentrait en studio et le disque sortait deux jours après. Ça n'a pas de bon sens. Bon, on y croyait. Et là, la folie furieuse. C'est un film surtout qui appelle à la participation. Donc, les Québécois sont appelés à chanter, à taper des mains, puis à célébrer en salle. Donc, on est un peu dans un film interactif, on peut le dire comme ça, ouais. Une nouvelle forme de cinéma, un peu, c'est le septième art réinventé un peu. En effet, c'est assez intéressant parce que, alors que présentement, on sait avec les difficultés, puis on a été confinés, puis toute la COVID, donc on a un film ici qui va nous permettre de sortir de ça. Mm-hmm. Puis, tout le monde va être invité à venir voir le film. Donc, on invite toutes les personnes à venir voir le film, tout le public. Bien, ils vont vivre un moment extraordinaire. On va s'amuser, on va taper des mains. Tout ça en respectant, évidemment, les normes de distanciation sociale. Donc, COVID t'invite, en fait, au film du box également. On peut aussi faire, mais en même temps, on va danser, chanter, se rappeler des succès, des chanteurs bien connus, les succès, entre autres. Oui. C'est une époque que les gens ne connaissent pas. Comme on dit, on invite tout le public à voir ça. On redécouvre, une époque du disque et de la musique au Québec charnelle. Oui, définitivement. Puis ça, c'est étonnant parce que même si c'est un film qui, avant tout, on pourrait dire, ben oui, tu sais, c'est des personnes de 50 ans et plus qui vont connaître dans les chansons, c'est faux. T'sais, on a fait des tests, puis la plupart de ces gros hits-là, ben même les moins de 30 ans, tu sais, mais les connaissent. Donc, on est là pour avoir du plaisir, on est là pour s'amuser. C'est voyant la couleur, c'est rose, c'est heureux. Fait que ça devrait être des événements extraordinaires. Fait que, un film qu'on va se rappeler assurément, en fait, on appelle ça un verre d'oreille, des chansons qui vont nous rappeler une certaine époque et en même temps, ben, faire découvrir en famille l'époque de la musique, du yéyé et des disques vinyles au Québec. Absolument. Fait que je pense que tout le monde va vivre une expérience extraordinaire. Puis oui, on va se rappeler des bons moments. On va replonger après ça dans sa collection de disques. Puis aussi, on va pouvoir, ça va être une espèce de partage intergénérationnel. Ce qu'il va y avoir d'extraordinaire en plus, c'est qu'il va y avoir des artistes invités qui vont être là. On veut avoir quelques noms. Oui. On va y aller avec quelques noms. On parle même de quoi? C'est une Romane Duvoir, si je ne me trompe pas, dans la production. En effet, René Martel, qui est dans le film, devrait être célébré. Donc, le 5 septembre, donc on va attendre tout le monde. Une belle invitation, assurément. Donc, on invite les gens le 5 septembre. On rappelle l'heure? Oui, absolument. Ça va être vers 19h. Donc, les portes vont ouvrir plus tôt, puis toute l'information va être disponible sur le site web du Capitole. Puis sinon, c'est simple, vous faites le www.jukeboxlefilm.com.
Donc, une bonne annonce, allez voir, ça va nous donner le goût. On l'a mis ici, évidemment, en privilégiement. Donc, et on invite les gens au Capitole, encore une fois, à venir voir ce film, Jukebox, un film qui va faire jaser encore longtemps. Bien, merci. Puis, en effet, fait que mon attend tout le monde en grand. Excellent. Merci beaucoup, Thierry. Merci.